Haussmann, comme le 1er décembre dernier, avec des camarades avec qui je suis venu depuis Genève. On se dirige vers la place de l'Étoile, où se réunissent déjà des milliers de gens depuis ce matin en fait. Au bout de la rue là-bas, ça pète pas mal, enfin au bout de la rue c'est l'Arc de Triomphe. Et on est quoi, allez, à 400 mètres, 500 mètres, et ça sent déjà le gaz. Ça picote déjà le nez. C'est incroyable que ça sente si loin. Ça... Là, t'as la gendarmerie qui dit gendarmerie nationale, dispersez-vous, mais vraiment doucement, on n'entend absolument rien. Il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, ils n'entendent pas la sommation, c'est impossible. Ah, enfin un vrai, tu vois, qui vient se mouiller un peu. Il semble en fait que t'as les, qu'on nous repousse vers le bas des champs, ce qui serait bizarre parce qu'en bas il y a l'Elysée et c'est un peu l'objectif, je crois, au final. Y'a pas de choix, y'a pas de choix.
Regarde là. Ah, il y a Christophe là-bas. Il y a plein de messages sur le... Là, c'est la HSBC. Il y a plein de messages anticapitalistes. Fin du monde, fin du moi-même, con. Ah, etc. Ah ouais. Oh putain! Viens! Les CRS replient en fait, ils sont juste là, là. Ils protégeaient l'entrée de Louis Vuitton. C'est la guerre, regardez, regardez, les gilets jaunes sont morts. Pourquoi tu disais les gilets jaunes sont morts? Parce que tout le monde dit que les gilets jaunes sont morts alors que... Ah ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah ouais. Je sentais pas ton sarcasme. Donc il faut savoir que on est aux Champs-Élysées. C'est un peu le centre de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'ici dans ce quartier, étoile, etc., tu as des sièges d'entreprises du CAC 40, tu as des commerces de luxe, tu as des immeubles de bourgeois, de gens ultra riches. Et c'est pour ça qu'en fait on gêne autant ici en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une répression si importante. Ça a quand même des alertes de... Oh putain, c'est passé à côté de ma tête quoi. Ah oh, putain sa mère. Tu vois ça? Ne courez pas. Ah bon, sur le côté, ne fonce pas. LBD, il est en train de dire LBD le gars, il hurle LBD. Oh putain sa mère, mais ça tombe de partout. Faut se barrer par là-bas. Ça crée, ça électrise les foules quand il y a les CRS qui arrivent au milieu. Ça peut pas être bien se passer, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, le monde dans la rue, regarde. Le gros truc noir devant Samsung. Oh putain. Flo. Tiens, prends ça, s'il te plaît. Cool tes vidéos. Merci beaucoup. Ça. Aïe. Ah. Ah. Putain. Ce putain de nuage. Donc on nous pousse vers la place de la Concorde et on nous empêche de sortir sur les côtés. Je comprends pas le deal. Est-ce que c'est pour justifier la répression qui sera plus forte forcément au bout de la rue? Je crois qu'on avance, on est bloqué.
c'est chez moi à la base. J'ai un peu deck de louper chacun. Pardon. Ils arrivent ou pas? Ils tirent à distance. On est à Paris! Il y a des chars. Donc là-bas, tu vois par là, attends, tu vois là. Il y a des murs de plexiglas comme dans notre ville, tu vois, des barrières. Derrière là-bas, il y a l'Elysée, un peu plus bas finalement. On va reculer. Et ben pour un mec qui dit c'est moi le responsable, venez me chercher, bah il est là et on va le chercher, ben il veut pas en fait finalement. Que de la gueule. Pas juste, le barbe. On lâche rien du tout. Que du bon sens. Donc voilà, là c'est la garde rapprochée de l'Elysée. L'Elysée qui est juste ici. Là-bas, on voit même plus les Champs-Élysées, tout est derrière le brouillard, beaucoup de gaz, il y a des feux. Derrière le cordon de police qui est là, il y a une tonne de monde derrière là-bas qui est arrivé après. Regardez-moi ces milliers de gens. Ça va piquer, ça va bien brûler. Oh putain! Ils sont passés! Putain! Énorme! Énorme!
énorme, j'aurais trop voulu y être. Ils sont dans l'arcade, putain. Qui ça? Quelqu'un là? Oh putain, non. Mais vite, veux pas, moi je Mathieu, allez, nique ta mère! Oh ta mère, la suce, je veux On est au bas de la ville des Champs-Elysées. Juste là, t'as l'Elysée, la place de la Concorde, Elysée qui est là. Et bien sûr, tout en haut là-bas, il y a l'Arc de Triomphe. Et en fait, on n'est plus grand monde, on est quelques milliers ici, à être pris au piège entre deux cordons de police, comme pris en étau, tu vois. Et la plupart des gens, maintenant, des milliers de gens sont derrière ce cordon qui est là, en fait. Et on est pris en étau, on peut pas, il n'y a pas de rue, tu vois, il n'y a pas de rue là, il n'y a pas de rue ici. On peut pas sortir d'ici, on est vraiment pris au piège. Des gens ont réussi tout à l'heure à passer par là en forçant. Mais je sais pas s'ils ont fait beaucoup de mètres, il y a des gilets jaunes là-bas un petit peu. Salut. Bonjour. En fait là il a une strate, c'est quand il y a des lacrymos il ferme les yeux et il me fait confiance. Et... Non, c'est fermé. Avec une petite bande de personnes très équipées, bravo pour ta créativité. On va essayer de passer. On y va ? Allez. Ah, bonjour. Bonjour. C'est ouvert en grande émission. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Mais tu n'es pas bien équipé, toi ? Mais non, parce que ça m'a été pris tout à l'heure, bien sûr. Voilà, nous sommes passés de l'autre côté. Tous les gens sont bien derrière. Très joli vos petits gilets. Vous venez d'où? Valenciennes. Valenciennes, cool. Eh bien bon courage et bonne manif hein. Faut protéger le Fouquet's. C'est les sièges du resto. Salut. Bien. Ouais, super. Bravo, vraiment extra. Ah oh, bah merci, c'est gentil. Embrasse-moi. Le nerf de la guerre, c'est la communication. C'est un maximum. Bah il faut, ouais. Tous les jours, j'ai regardé le milieu, j'ai bah c'est sympa, c'est cool. En tout cas, le plus important, c'est de faire ce qu'on fait maintenant, là. Donc là, en fait, t'as des gens payés par des impôts, par l'argent public, qui défendent le Fouquet's. Ah ouais, alors, c'est bien, elle est belle la police. Vous arrivez à dormir le soir? Ouais, ça va, tranquille, t'as pas de parents qui ont pas d'argent, pas de grands-parents, pas de frères et sœurs, pas d'enfants. Ils obéissent à des ordres, parfois ils ont pas le choix. Mais on, j'espère que vous... Je comprends qu'ils ont des ordres. Voilà, j'espère que vous le savez, on vous utilise à des fins politiques. Ils sont partis vers autre chose. Ils sont 50 à protéger un intérêt privé avec de l'argent public. Quand est-ce que vous nous protégez contre les vrais criminels? C'est eux qui payent pas des impôts. Nous on paye des impôts qui payent vos salaires. À un moment donné ça tourne pas dans le bon sens là les mecs. Il a dit ta gueule. Tu connais rien à mon travail donc tu juges pas et tu poses pas de questions. Mais moi, je comprends bien, dans ce cas je veux comprendre. Comprendra pas. Eh ben si, je peux comprendre, j'ai un cerveau. Bien sûr que si, là je vous vois protéger un intérêt privé avec les moyens de l'État. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Mais essaye de m'expliquer alors. Je suis pas là pour t'expliquer. Sauf qu'il va falloir qu'on parle à un moment donné. Je suis pas là pour parler. Ok. Donc vraiment virulent.
Pour lui, voilà, je ne peux pas comprendre. Il est pas là pour m'expliquer, il est pas là pour me parler. Je sais pas, une question simple, est-ce que tu penses que c'est normal que l'argent public serve à ça? À protéger des personnes qui fraudent le fisc, à protéger des enseignes qui polluent la planète, qui détruisent l'intérêt général? Et bon, il me répond que moi je connais pas son travail et que je peux pas juger. Mais moi je ne peux que juger. Qu'est-ce que je vois là? Je pose la question, je demande de savoir, de comprendre. Et il me répond qu'il peut pas m'expliquer, que je peux pas comprendre. Enfin, c'est absurde! Attention. On est de retour à l'Arc de Triomphe. Il y a des pavés partout. Depuis ici, ils balancent des lacrymos sur la foule là-bas. Et ils ont annoncé une première sommation avant d'utiliser la force pour repousser les gens qui sont là. Mais vraiment, on n'entend vraiment rien. C'est quelqu'un qui me l'a dit, on n'entend vraiment pas. Je sais pas où sont les moyens. C'est bizarre. Arrêtez! Oh, j'ai reçu un pavé dans le pied. Il a pété sa matraque sur quelqu'un, putain, sa vache. Arrêtez là! Arrêtez! Arrêtez! Non! Putain! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez! Les Black Blacks qui sont au front et c'est les gilets jaunes derrière qui suivent. Allez, ça recommence! Putain, enculé! Putain, merde! Allez, on va! T'es pas tout en haut! Viens tout en haut.
Vive l'Algérie! Nous sommes tous des frères! Ouais. Nous avons tous! Tous ensemble! C'est quand même très étrange de se retrouver dans le seul petit commerce ouvert sur les champs. C'est lui qui est là! Ah bah ouais, tu vois! Je t'ai rencontré. Les gens, rentrez s'il vous plaît. Madame, je t'ai rencontré à la manif France Insoumise. Ah ouais, c'était sur la place de la République. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, ma foi. Bah, c'est cool de te voir en jaune. Ouais, ouais. Ça, on a fait du chemin depuis. Hein. Attends, quand tu es France Insoumise, tu dois être en jaune. C'est ce que je pense aussi. France Insoumise, tu n'es pas en jaune, non? C'est le gars, ouais, ouais, c'est clair. France Insoumise. Pourquoi vous fermez là? On peut pas sortir, madame. Non, pas sortir. Pourquoi? C'est fermé, fermé, ils sont là, les blagues. Les policiers. Il est 17h, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes sur les Champs-Elysées. On est plutôt parqués sur les champs et c'est une quantité incroyable de boutiques, mais sélectionnées, des boutiques, des grandes enseignes américaines, des grandes multinationales, des boutiques de luxe, sont vandalisées, sont volontairement détruites par des gens très bien organisés. Et je pense en fait ça soutenu plutôt par la majorité des gens. Il y a des messages qui sont tagués sur les parois à chaque fois et ils sont et les messages sont cohérents, c'est des messages qui sont politiques. Il y a vraiment quelque chose de cohérent dans tout ça. Salut. C'est pas un militant comme ça. Ah bah c'est quand même. Parce que j'ai pensé que j'en ai là. Ça devrait pas avoir lieu avec autant de personnes qui sont en train de nous protéger, nous, aux citoyens. Ça devrait pas arriver, ça. Même pas une baffe. Attends un petit peu, laisse les gens arriver. Bon, sinon, il faut traverser. Vous retirez le gilet jaune. Pourquoi on en revient au gilet? Ah mais c'est un vêtement, j'aurais porté du jaune. Du coup dans ce cas vous êtes dans une manifestation non déclarée. Non. On peut être partout. Bravo pour ce que tu fais. Ah merci, c'est cool. Félicitations, franchement c'est... T'avais ton gilet aujourd'hui? Non pas. Salut. Du tout. Ça va? Ouais super. Ça fait 3 mois que je suis tout, je vois tout ce que tu fais vraiment, d'ailleurs je mets un pouce bleu, je sais pas. Cool, merci beaucoup. Je le demande pas mais c'est très pertinent. Ça sert pas à grand chose quand même, mais ça fait plaisir. On vous utilise à des fins politiques. On vous utilise à des fins politiques. Excusez-moi monsieur, bonjour, je suis en direct sur Brut. C'est possible d'avoir un petit temps avec vous? Voilà, vous dites à l'instant en fait, alors qu'ils sont là, vous êtes instrumentalisé à des fins politiques. C'est quoi le fond de votre pensée à vous? Je pense que ça résume pas mal le fond de ma pensée, c'est-à-dire qu'on voit ici des fonctionnaires de police, des gens payés donc par l'argent public, alors peut-être pas la gendarmerie par exemple, parce que c'est des militaires, mais les autres oui, et même dans tous les cas, ici les gens là sont engagés pour pouvoir, avec des valeurs humanistes, protéger la population envers un danger, et là c'est pas le cas, ils sèment le chaos, et là il faut leur dire, alors du coup ils obéissent à des ordres qui sont souvent illégaux, des ordres qui sont dans tous les cas immoraux, parce que l'égalité n'est pas forcément en phase avec la moralité, et là ils sont utilisés à des fins politiques. Moi quand je vois 40 policiers protéger le Fouquet's,
on tombe tous des nues. Non, ce n'est pas possible, ça, c'est pas censé servir à ça la police. C'est pas censé protéger Louis Vuitton et puis elle Fouquette. Bon bah l'Elysée c'est juste derrière moi, je vais faire un tour là-bas. On va voir si je suis libre d'aller où je veux. T'as le Grand Palais qui est juste là derrière. Jardin de l'Elysée avec des gens qui protègent. Des CRS de partout. Vous pouvez traverser maintenant. Et en fait, il y a un périmètre énorme de plusieurs kilomètres autour de, des quartiers bourgeois et donc là, autour de l'Elysée, par exemple, de bloquer pour protéger ben, ce qui est dénoncé. Les meufs, elles voulaient manger des macarons. Elle est triste. Ah mon dieu, il y a plusieurs réalités qui s'entrechoquent dans cet endroit, c'est ça que j'aime aussi. À droite, vous avez la rue qui mène à l'Elysée. On s'en fout, même, il est pas là, il est en ski. Vous vous rendez compte que vous êtes utilisé à des fins politiques pour protéger quelqu'un qu'on veut virer et qui n'est même pas pour vous? Qui réduit vos salaires et vos moyens pour travailler? Excusez-moi, il y a quoi de dangereux derrière pour nous en protéger à ce point? Parce que... L'Elysée qui est pas loin en fait. Ah, il veut nous protéger de l'Elysée parce qu'il est censé nous protéger quand même. Ah, ok. Ah non, c'est le contraire. Ah, pardon. Ah, ok, c'est nous les dangers contre l'Elysée. Ok. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Plus fort bordel, on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Il n'y a que 3 flics. Et des jeunes plutôt à la mode. Yeah. Autre ambiance. C'est un devoir à tous ces gens qui s'égarent sur le chemin du avoir. Amour pour toi, camarade. Je sais que tu fais ce que tu peux, que le monde est malade et que tu voudrais qu'il aille mieux, mais voilà. Ça implique des sacrifices, des choix de vie. Et de comprendre que demain se construit aujourd'hui. C'est quand on aime et quand on donne qu'alors on s'enrichit. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Minutes, tu auras vécu 7 heures de ce 16 mars historique à Paris. Si j'ai mis plusieurs longs jours à te livrer cette vidéo, c'est tout simplement parce que bah, j'étais très occupé ces derniers jours et aussi, en plus, crevé, complètement crevé. Et comme je fais tout seul, bah, si je suis HS ou pas là, bah, y a pas de vidéo. Néanmoins, j'ai réagi et analysé certains faits d'actualité super importants sur mes comptes Twitter et Facebook, notamment depuis lundi et les annonces faites par le gouvernement qui sont alarmantes mais attendues. Tout va super vite, ça fuse dans tous les sens, c'est complètement insensé. Ils nous promettent l'armée dans nos rues demain, samedi 23, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, nous interdisent de manifester en jaune, et vont jusqu'à nous informer que l'armée pourra peut-être, si elle le désire, ouvrir le feu. C'est complètement dingue. C'est leur stratégie, inchangée depuis le départ, qui consiste à miser sur et entretenir le pourrissement de la situation pour aller ensuite chercher, voire construire médiatiquement, s'il le faut, l'approbation de l'opinion publique pour engager une répression hors norme contre les gilets jaunes dans leur entièreté. Et c'est dans ce cadre très précis que Castaner, ministre de l'Intérieur, premier flic de France, s'est adressé aux forces de l'ordre. Samedi, sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas de manifestants. Il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux, des gens venus pour casser, pour détruire, pour agresser.
Je vous demande de faire en sorte que la doctrine de maintien de l'ordre, telle que nous l'avons redéfinie entre le 1er et le 8 décembre, soit effectivement et résolument mise en œuvre, sans hésitation ni demi-mesure. Mais nous devons aller encore plus loin. Les scènes de samedi nous le montrent. La violence est montée d'un cran. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. C'est le sens même des décisions annoncées par le Premier ministre cette semaine. Et je vous demande qu'elle soit pour l'essentiel effective dès samedi. Il le sait, lui et son gouvernement, que la situation est bien plus complexe et nuancée que cela. Quand tu as vu cette vidéo, quand tu as fait les manifestations aussi, toi, toi qui me regardes, tu as vu que les gilets jaunes étaient profondément politisés, qu'en 4 mois ça s'est encore plus accentué, que leurs revendications sont nettes et précises, et c'est bien pour cela que le gouvernement tente tout, par tous les moyens, pour dépolitiser le mouvement social, et ainsi le criminaliser aux yeux de tous. Oui, rappelons que si nous sommes si nombreux, toujours plus nombreux dans les rues, à risquer de perdre un œil ou une main, et à se faire gazer, c'est bien qu'il y a des raisons suffisantes à cela. Nous souhaitons une justice sociale. C'est-à-dire avoir du travail, celui que l'on désire, et pouvoir en vivre décemment. Nous souhaitons une justice climatique, que l'on arrête enfin d'exploiter les ressources naturelles sans limite jusqu'à mettre en péril le vivant sur Terre. Nous souhaitons une justice fiscale, pour que l'on partage enfin les richesses créées par tous entre tous les acteurs de la société et lutter enfin contre les inégalités. Et nous souhaitons une véritable démocratie, directe et populaire, seule solution pour en finir avec cette classe dominante d'oligarques méprisants et corrompus par l'argent. Et que ça déplaise à Rutel Krief ou Christophe Barbier, ces revendications sont politiques, elles sont claires, nettes et précises, intrinsèquement révolutionnaires, anticapitalistes. Et c'est bien pour ça que ce gouvernement, comme la plupart dans le monde, ne peut pas les considérer, car elles sont en dehors de sa conception de la réalité. Ce qui fait que ce gouvernement est criminel puisqu'il œuvre contre l'intérêt général du vivant. Voilà pourquoi nous sommes sur le bon chemin, que nous devons intensifier la résistance et nous préparer à tenir longtemps, aussi longtemps que nécessaire pour obtenir gain de cause. Ça va être rude, mais nous n'avons pas d'autre choix face à un État fascisant qui écrase tout ce qui ne lui correspond pas. Je m'arrête là car je reviendrai sur ce 16 mars, sur la semaine qui vient de s'écouler et sans doute sur ce qui va s'ajouter demain lors de l'acte 19 dans une prochaine vidéo, voire dans plusieurs prochaines vidéos. Car il nous faut prendre le temps nécessaire à l'analyse politique des choses pour construire correctement ensemble la suite de la résistance de notre lutte. Portez-vous toutes et tous bien, merci pour votre amitié et votre soutien encore et à bientôt. Ciao.